Corinthiens 14, 13 plutôt, 1 Corinthiens 13. Je vais lire l'écriture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Que Dieu vous bénisse, pour pouvoir vous asseoir. Nous vivons dans un temps où la connaissance a vraiment augmenté. Que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église. Parce qu'il avait été dit à Daniel de sceller les livres jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, la connaissance augmentera. Le livre qui a été scellé va être décellé au temps de la fin. Et la connaissance augmentera. Nous vivons dans un temps de la foi parfaite. Nous vivons dans un temps où la science fait des exploits, l'Église fait des exploits. Nous vivons dans un temps où tout le monde fait des exploits. Mais c'est dans ce temps ici que la charité, l'amour, c'est-à-dire l'amour divin, comme Frère Becker disait, cet amour, cette charité qui doit couvrir l'amour philéo, l'amour érotique, cette charité, la Bible dit que cela va diminuer. C'est Jésus qui l'a dit. Mais quand ça va diminuer d'un côté, parmi les saints, c'est là qu'on va trouver le véritable amour. Et le monde est en train de mourir faute d'amour. Même les églises aussi. Vous savez, le prophète dit que pour que vous puissiez aider quelqu'un, il faut que cette personne sente que vous l'aimez. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos doctrines, même si elles sont vraies, mais nous n'arrivons pas à faire passer cela. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est dans une autre dimension. Les gens sentent si vous les aimez ou pas. Vous pouvez apporter la vérité, mais sans la charité, la personne ne prendra pas. Vous comprenez? Donc vraiment, que Dieu nous aide, ça c'est la chose principale. L'amour. Le message de Frère Branham, c'est 1 Corinthiens 13. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, et le prophète dit que par la grâce de Dieu, nous avons la parfaite interprétation de la parole avec la confirmation divine. Donc le parfait de 1 Corinthiens 13, c'est le message de William Branham. Ce message est déjà confirmé. C'est confirmé par la colonne de feu. C'est confirmé par la nuée. Maintenant, ce message doit être confirmé dans nos vies. Il faut qu'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu
et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'on voit la différence entre ceux qui sont dans les messages et ceux qui ne le sont pas. Il faut qu'on voit la différence entre nos foyers et les foyers du monde. Voyez, que Dieu puisse nous aider, que Dieu nous aide. Quand le parfait sera venu, et le parfait est venu. Merci Seigneur. Je vais juste lire rapidement. Dans le message, écoutez-le, Fabanam dit, le monde est en train de chercher quelque chose aujourd'hui. Lorsque ta petite femme t'a dit qu'elle serait ta chérie et ta femme, elle cherchait quelqu'un qui pouvait l'aimer. Et lorsque tu as promis à ton mari, il cherchait quelqu'un, lorsqu'il rentrera fatigué après une journée de travail. Donc, il cherchait une femme qui mettra ses bras autour de lui, qui lui brossera les cheveux vers l'arrière et qui lui dira combien elle l'aime. C'est ce qui cause la séparation dans les familles. C'est la négligence de l'amour. Ce qui cause la séparation dans les églises, c'est la négligence de l'amour. Nous devons avoir l'amour. C'est une obligation. Nous devons. Et le prophète dit, l'amour doit gouverner le foyer. L'amour doit gouverner l'église. Dites amen. Premièrement, l'amour, et les autres choses viendront après. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et il y en a ici qui sont venus sans leur mari, sans leur femme. Peut-être qu'il y a eu des occupations, l'homme n'a pas pu venir, ou il y a eu des problèmes, la femme n'a pas voulu venir. Je voulais simplement dire ceci. Vous savez, pour faire un enfant, il faut être à deux. Mais vous trouverez bizarre que Anne, quand elle est allée au temple pour prier pour que le Seigneur lui donne un enfant, elle était seule. Où était le mari? Normalement, les deux devaient venir à l'église pour prier afin que Dieu puisse leur donner un enfant. Mais Anne est partie seule. Je ne sais pas pourquoi, mais seulement elle était déterminée. Elle est allée à l'église, elle a prié, et la Bible dit que Dieu a entendu sa prière et Dieu leur a donné un enfant. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas. Si le mari n'a pas voulu venir, ou si ta femme n'a pas voulu venir, ça ne fait rien. Le simple fait que toi tu sois ici, Dieu va traiter avec lui. Dieu va traiter avec elle. Voyez, soyez toujours déterminés. S'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, je vais à l'église. Moi, je vais prier. Et Dieu s'occupera de toi. Que Dieu soit béni. Je vais... Il ne faut pas que je prêche. Je fais tout pour me retenir. Parce que Frère Beckett, il a une grande portion plus que moi. J'aimerais plutôt l'écouter. Nous allons nous lever. Et nous allons chanter, Seigneur, tu es précieux pour moi. Et je vais passer le conducteur de chant. Seigneur, eh bien, Seigneur, tu es si précieux pour moi. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Seigneur, quand on chante, on ouvre la bouche. Mon Jésus, je t'aime, je te sers, moi.
avant qu'on invite la parole, le 221, mon Jésus, je t'aime, je te sers, moi. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Les plaisirs, du monde ne m'attire plus, ton amour m'inonde, je t'aime. Je t'aime, mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En ton front, toi-même, ton sang m'a lavé. En ton front, toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, come on. Sur bénie, pour moi tu ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, qu'ici bas je t'aime, jusque dans la mort, à l'heure suprême, à l'heure suprême du dernier. Voix expirante, commande. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Levons tous nos mains de tout notre cœur humain. Je verrai ta face, ravisse. Oh, quel chant d'amour pour notre roi. Amen. Je louerai ta grâce éternelle. Dirai sans cesse, et dirai sans cesse avec les élus. Oh, d'allégresse, je t'aime, oh Jésus.